soit ABCD, un carré de côté 1, et E, le milieu du segment AD. Soit le point F sur la demi-droite BA, tel que EF égale EB. Montrez que AF est la solution positive de l'équation 1 sur x égale x sur 1 moins x. Bien sûr, 1 sur x, ça va être le fameux nombre d'or. Faisons une figure. Un carré, comme j'ai dit, ABCD, BCD, le côté une unité, E, le milieu du segment AD, et sur la demi-droite DA, un point F tel que EB égale EF. EB égale EF. EB égale EF. On va montrer que AF, cette longueur-là, c'est rien d'autre que la solution positive de l'équation 1 sur x égale x sur 1 moins x. D'abord, on va résoudre cette équation et puis on va prouver que AF est bien cette valeur x. Alors, comment résoudre cette équation? Les produits en croix sont égaux. 1 fois x fois x, x carré égale 1 fois 1 moins x, ce qui nous donne x carré plus x moins 1 égale 0. On a passé 1 de l'autre membre, ça fait moins 1, et moins x, premier membre, ça fait plus x. Le discriminant, b carré 1 moins 4 fois a fois c, qui est égal, tout le monde constate que c'est égal à 5. Bien. Donc x1, la valeur positive, c'est moins b, c'est-à-dire moins 1, plus racine de 5 sur 2. Et voilà la valeur positive trouvée pour x. Maintenant, revenons à notre figure. On constate qu'ici, on a un triangle rectangle ABE. Calculons EB. EB égale hypoténuse dans ce triangle, racine carrée. Donc AB au carré, 1, plus AE au carré, 1 quart. Parce que AE, c'est un demi. Ce qui nous donne racine de 5 sur 2. Bon, ça c'est égal à EB, mais EB de notre énoncé est égal à EF. EF qui est égal donc à racine de 5 sur 2. Combien ça fait AF? AF est égal à EF moins AE. AF égale EF moins AE qui est égal. EF c'est combien? EF c'est ça. Racine de 5 sur 2, et AE, 1 demi, ce qui donne racine de 5 moins 1 sur 2. Vous constatez que AF est égal exactement à la valeur de x qu'on a trouvée en résolvant l'équation en question. Voilà la naissance du nombre d'or. Mais ça, c'est une autre histoire. Ceux qui veulent aller plus loin dans l'intimité du nombre d'or, je leur conseille ce merveilleux livre, Monsieur Neveu et Huntley, Le nombre d'or, édition du Seuil, Les points en science. Il se trouve sur Amazon pour pas grand-chose.